Clignan, décidément, met de côté d'argent et une équipe de groupe cette année, il le prouve en arrachant une qualification finale en termes d'un nouvel exploit. Oui, oui, encore un nouvel exploit. Par rapport à BA, on a joué 3-R1, puis là, je pense que c'était la R2, puisque la R1 est un match important pour la montée chez eux. Et ben, nous, on a fait le match qu'il fallait, un match d'homme. Et comme je l'aurais dit, un match de football, c'est un match de football. Même qu'il y ait une division d'écart ou deux, on peut faire tout ça. Et en plus, on a la chance, bien sûr, de marquer le premier but. Et après, on est bien resté en groupe et ils ont fait les efforts qu'il y avait à faire. Bien sûr, c'était pas chez nous, on a joué. Il y avait quelques supporters qu'on remercie. Mais voilà, maintenant on ira jouer notre chance crânement devant Saint-Émilion. Mais on va passer quand même les deux derniers matchs de championnat parce que rester en R3 c'est important pour nous pour l'année prochaine. Oui, tout à fait. En tout cas, sur cette rencontre, vous avez été dominé, mais vous avez fait une belle leçon de réalisme. Voilà. Vous avez eu les plus belles occasions. Bien sûr, en première mi-temps, il y a trois frappes au but. En deuxième mi-temps, il y en a une. Mais voilà, on n'a pas été trop inquiété par eux. Il n'y a pas eu trop d'occasions franches. Donc, un bloc solidaire qui a fait la différence, les efforts à faire, ils étaient prêts pour les faire. Et à la fin, mais ils sont contents d'avoir fait les efforts. Ils ne pensent plus qu'ils ont mal aux jambes maintenant. Donc ça, c'est bien et puis je les félicite. Donc pour que la saison soit parfaite, il faut que le maintien soit obtenu dès ce week-end. Voilà, ça serait bien dès ce week-end, de prendre un point ce week-end. Après, on aura notre dernier match contre Mérignac chez nous. Et puis après, on jouera ce bonus à la fin, le 9 juin, à Arlac, où il y aura du monde qui descendra. Donc ça sera sympa. Mais déjà d'arriver là, avec le parcours qu'on a fait, c'est déjà bien.